dédiée aux victimes de ces derniers jours et à toutes les victimes du terrorisme. D'abord, on veut vous remercier de votre engagement et de votre présence ici et aux manifestations et vous dire que malgré tout ce qu'on vit en ce moment, malgré tout ce qu'on entend, la vie continue. On est un mouvement d'engagement et d'éducation. Il y a un mot qui tourne aujourd'hui qui est éducation, arme d'instruction massive. Faisons le nôtre et espérons que très vite on va reprendre le chemin de nos activités et retrouver les enfants et leur expliquer que oui, on peut vivre ensemble, oui, on peut s'exprimer et oui, on peut être juif en France. Descend sur la terre, quand le soir s'étend dans les bois, vers toi monte notre prière, Seigneur, daigne entendre notre voix. Dans le camp tout baigné de silence, éclairé des derniers feux du jour, nous chantons vers le Dieu d'espérance, ce chant d'histoire qui a dicté notre amour. Seigneur qui voit le secret de notre âme, remplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. Sois béni, Seigneur, roi du monde, qui sur nous versa le sommeil. Donne-nous une paix profonde et garde-nous jusqu'à notre réveil. Quand demain reviendra la lumière, fais-nous revoir la clarté du ciel. Que cette nuit ne soit pas la dernière, j'espère en toi, protecteur d'Israël. Seigneur qui voit le secret de notre âme, emplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une